Ton nom au-dessus de tout. Nous sommes là, Seigneur, pour t'élever plus que tout, parce que tu es au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, notre Dieu, nous t'aimons, parce que toi, tu nous as aimés le premier. C'est toi qui nous as attirés à toi, oh Seigneur. Merci. Ta parole nous dit que nul ne peut venir au Père. Merci. Si ce n'est toi qui l'as appelé. Merci. C'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as aimés le premier. Merci. Tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Amen. Et si nous sommes là ce soir, Seigneur, c'est pour toi. C'est pour toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, sois béni, béni, béni dans le nom de Jésus. Béni. Amen. Toi qui es connecté en ce moment, que le nom du Seigneur soit béni pour ta vie. Amen. Demeure à jamais béni. Je t'invite à partager autour de toi. Partage ce direct autour de toi, afin que tous ceux qui sont dans ton entourage puissent recevoir la grâce d'avoir une intimité avec le Seigneur ici et maintenant. Merci, merci. Oh, partage autour de toi, partage, partage à tes amis, partage à tes contacts. Sois un moyen de bénédiction pour tes frères et sœurs, pour ton entourage au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui un jour très, très, très spécial. Un jour de gloire. Vous savez, nous sommes dans le mois de la Vierge. Et cette édition, nous voulons la dédier à notre mère, la très sainte Vierge Marie. Cette mère que Jésus lui-même nous a donnée. Et si vous n'avez jamais expérimenté son amour maternel, aujourd'hui, elle va vous le démontrer. Chacun aujourd'hui va sentir à quel point la très sainte Vierge Marie nous aime. Celle qui ne garde rien pour elle. Tout ce que nous lui donnons, elle donne à son fils Jésus. Tout ce que nous lui apportons, elle donne à Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons particulièrement honorer cette mère que le Christ lui-même nous a donnée, pour qu'à travers elle, nous ayons d'abondantes grâces, aussi bien pour nous que pour nos familles, pour nos nations, pour notre cher pays, le Sénégal, et pour tous les pays du monde entier. Alléluia. Alléluia. Oh. Ensemble, nous allons élever la voix pour prendre ce Magnificat, pour prier le Seigneur avec les mots de la Vierge. Celle qui a dit « Toutes les nations me diront bienheureuse. » Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique. Magnifique est le Seigneur. Magnifique. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servant. Tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint
force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Magnifique est le Seigneur, magnifique, magnifique est le Seigneur, magnifique. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Marie, que tu es bienheureuse à jamais. Ô Mère du bel amour, ô Mère du Christ, toi qui nous as donné ton Fils Jésus, tu as dit oui à Dieu et nous sommes là aujourd'hui parce que tu as accepté de porter le Verbe de vie. Amen. Sois honorée, Marie. Tout notre amour, Sainte Mère de Dieu, toi qui es notre mère au quotidien et qui prends soin de tes enfants. Amen. Vierge Sainte, Dieu t'a choisi. Nazareth, Seigneur, nous te disons merci de nous avoir donné ta mère, une mère si aimante, une mère pleine d'amour, une mère qui n'attend pas que nous crions vers elle, une mère qui nous soutient dans nos besoins de tous les jours, une mère qui nous soutient dans notre quotidien, une mère qui nous soutient dans nos combats, une mère qui essuie nos larmes lorsque nous pleurons, une mère qui est toujours là pour consoler ses enfants, une mère qui nous apprend à aimer, à connaître Jésus. Maman Marie, merci. Merci d'être toujours là pour nous. Merci d'être la mère qui ne cesse de nous soutenir et de nous aimer. Alléluia. Nous voulons t'élever, te dire merci, Seigneur, pour cette mère et cette reine que tu nous as donnée. Elle est reine dans l'humilité. Elle est reine dans la douceur. Elle est reine dans l'amour. Oh, comblée de grâce,
nous voulons te dire que nous t'aimons. Oh, merci, Maman Marie. Chantons la reine de l'univers, Marie la mère du divin roi, femme d'espérance, mère du bel amour. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni à toi. Tu peux déjà acclamer le Seigneur pour ce que sa mère est en train de faire. Oh Seigneur, notre Dieu, nous t'acclamons pour le don de ta mère. Nous t'acclamons, Seigneur, pour le don de ta mère que tu nous as donné. Nous voulons avec elle te louer et t'élever. Oh Seigneur, sois béni à jamais. Sois magnifié, Seigneur, notre Dieu. Nous allons ensemble louer la Sainte Vierge, notre mère. Nous allons lui dire avec nos pas de danse, avec nos joies, là où tu es. Si tu peux danser, il faut sortir la face. Parce que tu as une mère qui fait peur aux démons, une mère qui est la terreur des démons. Et aujourd'hui, elle s'est levée pour te bénir. Aujourd'hui, elle s'est levée pour te faire du bien. Donc de là où tu es, n'hésite même pas. Tu peux déjà te lever, commencer à bouger et à bénir le Seigneur pour le don de cette mère qu'il t'a donnée. La mère de notre sauveur. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe.
Marie est là, elle est là, elle est là. Maman Marie est là, elle est là, elle est là. Oh, Marie est là, elle est là, elle est là. Maman Marie est là, elle est là, elle est là. Oh, maman est là. Marie est là, elle est là, elle est là. Maman Marie est là. Maman Marie est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est là. Marie est là, elle est là, elle est là. Maman Marie est là, elle est là, elle est là. Oh. Quelle est celle dont la Bible parle, celle qui écrase la tête du serpent? Celle que Isaïe a annoncée, celle que l'on Gabriel a visitée. Quelle est celle-là qui était aux noces de Cana? C'est la Vierge Marie, la mère de notre Sauveur. Aïe, aïe, aïe. 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 Tu es venu comme pour consoler des vies. Oh, maman Marie.
Marie, nous te disons merci parce que tu es en train de consoler des cœurs. Tu es en train de rassurer des cœurs. Tu es en train de rassurer des vies. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Oh Jésus, que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Alléluia, Seigneur, sois béni. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Là où tu es, tu peux déjà commencer à élever le nom du Seigneur. Tu peux prendre ton mouchoir ou bien tu lèves les mains vers le Seigneur pour lui dire merci parce que ce soir, sa mère va te visiter. Amen. On bat les mains, on bat les mains, on bat les mains, on bat les mains. Mais loin.
cherche la foi, ô Marie. Jésus, roi des rois, seigneur des seigneurs. Notre Dieu, nous voulons te bénir et te lever au-dessus de tout. Merci de nous avoir donné cette mère qui, en ce moment même, prie avec nous. Et nous voulons te demander maintenant de nous envoyer la puissance de ton esprit pour qu'il nous établisse dans ta présence et nous donne vraiment d'écouter ta parole, Seigneur, avec joie. Dispose nos cœurs à écouter ta parole, à faire ta volonté, à faire ce que toi tu veux, Seigneur. Ouvre nos pensées et ouvre nos cœurs. Seigneur, que ta parole, Seigneur, soit cette graine qui donne dans la bonne terre et qui donne du fruit pour la plus grande gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean 19. Les versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère
et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis, il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cet instant, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, au travers de cette parole, nous voyons Jésus qui nous donne sa mère à travers Jean. Aujourd'hui, notre méditation va porter sur deux choses. L'acte de Jésus, sur deux points. L'acte de Jésus, le don de sa mère à l'humanité. Et le deuxième point, c'est l'acte de Jean lui-même. La Bible dit que Jean prit Marie chez lui. Bien-aimés, nous savons que Dieu nous a aimés dès avant le commencement de ce monde. Et il nous a aimés jusqu'à donner son propre fils, qui est allé jusqu'à la croix mourir pour nous. Alors que nous étions dans le péché, alors que nous étions dans toutes sortes de mal, Dieu a jugé bon que son fils meure à la croix pour nous sauver. Et nous qui sommes là aujourd'hui, quand Jésus a fait le sacrifice pour nous, nous n'étions même pas encore nés. Mais voyons, bien-aimés, à quel point Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour que nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas comprendre. Et il a accepté d'aller jusqu'à la croix. Quand nous parcourons les Écritures, nous voyons comment Jésus a souffert. Il a tout donné. Il a tout donné. Bien-aimés, sur la croix, Jésus a vidé son sang. Son sang a coulé, il n'a retenu aucune goutte. Il a laissé son sang couler jusqu'à la dernière goutte pour chacun de nous, pour toi, pour moi, pour nous tous, pour l'humanité tout entière. Et vous voyez, si c'était un homme comme nous, il allait dire, ces gens-là, ils m'ont tué. Ces gens-là, ils m'ont fait tellement de mal. Ces gens-là, et même, il est dit quelque part dans la parole qu'il savait que les hommes allaient encore pécher. Mais il a quand même accepté de faire le sacrifice. Si c'était moi, si c'était nous, on ne l'aurait jamais fait. Et comme si le sacrifice n'était pas suffisant, il nous donne sa mère. Bien-aimé, qui sur cette terre est capable de donner sa mère à une personne qui l'a offensée? Personne n'est capable de le faire. Mais Jésus, notre Dieu, vrai Dieu et vrai homme, ce Dieu qui nous a donné tout son amour, il s'est donné jusqu'à donner sa mère. C'est-à-dire qu'il a tout donné. Il a tout donné. Bien-aimé, Jésus t'a tout donné. Il t'a tout donné. Il t'a donné la vie. Il t'a donné la santé. Il t'a donné la paix. Il t'a donné la joie. Il t'a donné tout ce dont tu as besoin. Tout ce que ton cœur désire. Et il t'a donné sa mère. Aujourd'hui encore, il vient te donner sa mère. Je veux dire à quelqu'un ce soir, une personne qui a peut-être perdu sa mère, une personne qui n'a jamais connu sa mère, une personne qui n'a jamais connu l'amour maternel, aujourd'hui, Jésus te donne sa mère. Tu as besoin d'une mère. Tu veux connaître c'est quoi l'amour maternel. Tu ne l'as jamais expérimenté. Ou bien tu as grandi auprès d'une mère qui t'a blessé. Peut-être que tu en veux à ta mère et tu détestes toutes les mamans du monde. Écoute, Jésus te donne sa mère. Le Fils de Dieu te donne sa mère. Le Roi des Rois te donne sa mère. Et elle n'est pas une mère comme toute autre. Il est vrai qu'elle est humaine comme nous. Nous ne l'adorons pas, nous lui faisons honneur. Parce qu'elle, elle nous a fait honneur en acceptant de porter Jésus pour nous le donner. Imaginez un seul instant, si à la parole de l'ange, la Vierge avait dit « Non, je ne veux pas. » Si elle avait dit « Non, que serait notre monde aujourd'hui, bien-aimé ?» Jésus te donne sa mère, prends Marie chez toi. Fais comme l'apôtre Jean. La Bible dit « Il a pris Marie chez lui. » Marie a habité chez lui. Et cette mère, qui est la mère de Dieu, bien-aimé, lorsque tu la prends chez toi, elle conduit tes pas. Lorsque tu la prends chez toi, elle guide tes pas.
elle t'aide dans ton quotidien. Ceux qui ont expérimenté l'intimité avec la Vierge Marie peuvent le témoigner. Les saints de l'Église, ce n'est pas pour rien qu'ils prient le chapelet, le rosaire tous les jours. Quand nous lisons la vie des saints, il n'y a aucun saint qui a négligé la Sainte Vierge parce qu'elle est une clé de valeur. Elle est une perle de valeur pour notre Dieu. Et par elle, Dieu nous bénit. Et par elle, Dieu bénit notre monde. Bien-aimé, aujourd'hui, prends Marie chez toi. Peut-être tu n'arrives pas à faire le chapelet. Tu te dis que le meilleur moyen de prendre Marie chez toi, c'est de prier le chapelet. C'est vrai. Mais si tu n'arrives pas à prier le chapelet, mais demande-lui, elle est ta mère. Tu peux lui dire, maman Marie, aide-moi à prier le chapelet. Et elle va t'aider. Si tu vis des situations difficiles, peut-être, pour lesquelles tu pries depuis des années, et tu n'as pas reçu ton exaucement, aujourd'hui, prends Marie chez toi. Prie avec la Sainte Vierge, tu ne seras jamais déçu. Parce qu'elle, elle a dit oui à Dieu, sans hésiter, sans rien garder pour elle. Et à cause de son acte, à cause de son oui, Dieu lui donne tout. Quand elle intercède pour nous, Dieu ne lui refuse rien. Prends Marie chez toi, bien-aimée. Cette situation que tu vis depuis des années, que tu n'arrives pas à comprendre, prends Marie chez toi. Peut-être que tu vis des persécutions. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais quelle que soit la situation, bien-aimée, prends Marie chez toi. Elle est ta mère. Elle est ta mère. Nous voyons nos mères sur cette terre. Comment elles se battent pour que nous arrivions à vivre heureux. Mais Marie, elle le fait bien mieux que n'importe quelle mère sur cette terre. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te prions d'ouvrir nos cœurs à la grâce que tu veux nous donner aujourd'hui. Apprends-nous à prendre Marie chez nous. Ô consolatrice des affligés, viens consoler ceux qui en ce moment pleurent. Ceux qui préparent des événements heureux. Ceux qui préparent un mariage, un baptême, peu importe ce que tu prépares. Peut-être tu prépares un examen, tu prépares une soutenance. Peut-être que tu as un rêve. Tu veux faire quelque chose de grand pour le Seigneur. Ou bien tu veux ouvrir une entreprise. Quoi que tu veux faire aujourd'hui, prends Marie chez toi. Oh, maman Marie, apprends-nous à aimer Jésus. Apprends-nous à aimer Jésus. Apprends-nous à adorer Jésus. Toi qui es l'épouse du Saint-Esprit, apprends-nous à grandir dans l'intimité avec l'Esprit-Saint pour que nous allions dans les hauteurs avec Dieu. Alléluia. Merci. Nous allons ensemble prendre ce chant pour dire à Marie, ô tendresse dans nos vies, viens nous aider. Parce que tous, autant que nous sommes, nous avons besoin de l'aide de cette mère qui connaît son fils mieux que nous et qui sait comment parler à son fils. Parce que la Bible dit aux noces de Cana, elle a dit, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus a agi. Ô Sainte Vierge, tendresse dans nos vies, viens aujourd'hui nous aider à grandir dans la connaissance et l'amour de Dieu. Amen. Marie,
Oui, Sainte Vierge, Mère de Dieu, nous te prions que ton oui fleurisse véritablement dans nos vies aujourd'hui. Sainte Mère de Dieu, toi tu connais ton Fils mieux que nous et tu sais par quel chemin nous pouvons arriver à la sainteté. Ô Sainte Vierge Marie, notre Mère, aujourd'hui nous te demandons de guider nos pas. Toi qui es le chemin qui mène à lui. Nous te demandons, Maman Marie, de nous montrer le chemin, parce que bien souvent nous nous perdons. Bien souvent nous ne savons pas comment faire, mais nous avons besoin de ta présence à nos côtés. Nous avons besoin de toi, Maman Marie, pour nous aider à mieux aimer ton Fils Jésus. Nous avons besoin que tu intercèdes pour notre monde qui va si mal aujourd'hui. Ô Sainte Vierge, Mère de Dieu, tu vois toutes les souffrances que nous vivons. Tu vois toutes les peines qui se passent dans notre monde. Tu vois combien l'être humain se détourne de Dieu. Et nous savons que ton cœur saigne, parce que le cœur de ton Fils aussi saigne en voyant comment l'homme se détourne de Dieu. Sainte Vierge Marie, aide-nous aujourd'hui à revenir à Dieu d'un cœur sincère et à te prendre chez nous et à travers toi à prendre Jésus chez nous. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ô Mère et Reine de l'humanité, ô toi Notre-Dame, viens à notre secours. Amen. Amen. Saluons, ô toi, Notre-Dame.
Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour le don de ta Sainte Mère qui est à l'œuvre en ce moment dans nos vies. Oh, merci Maman Marie pour ton manteau virginal qui nous couvre. Sainte Vierge Marie, nous te disons merci parce que tu as couvert beaucoup de tes enfants de ton manteau virginal. Merci d'être venue en ce jour pour nous couvrir de ton manteau. Merci Maman Marie parce que tu as ouvert tes bras pour nous prendre sous tes ailes. Tu nous as pris comme une mère prend ses enfants dans ses bras. Tu nous as pris dans ses bras. Merci Maman Marie parce que tu es en train de consoler. Tu consoles ceux qui pleurent. Tu consoles ceux qui ont été blessés par la figure maternelle. Merci Maman Marie parce que tu t'es levée également pour combattre pour nous. Tu t'es levée pour combattre pour tous ceux-là qui vivent des persécutions, qui vivent des situations difficiles et qui ne savent plus comment faire, qui ne savent plus comment s'en sortir. Sainte Vierge Marie, nous voulons te dire merci parce que tu intercèdes puissamment pour le Sénégal en ce moment et tu intercèdes puissamment pour tous les pays en crise. Tu intercèdes puissamment pour la Côte d'Ivoire, la Guinée. Tu intercèdes puissamment, Maman Marie, pour tous les pays qui vivent des situations difficiles. Tu intercèdes pour le Nigeria. Tu intercèdes pour tous les pays d'Afrique. Tu intercèdes pour tous les pays d'Europe. Tu intercèdes pour l'Amérique. Tu intercèdes pour le monde entier. Tu intercèdes pour que la paix de Dieu revienne dans notre monde. Lui qui nous a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Bien-aimé, de là où tu es, tu peux parler en langue, tu peux élever la voix, tu peux commencer à louer, à adorer le Seigneur, parce qu'il est à l'œuvre avec sa mère en ce moment. Il est à l'œuvre avec sa mère dans nos vies. Oh Seigneur, sois béni. Oh merci Seigneur pour ton œuvre à travers Marie aujourd'hui. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que aujourd'hui Seigneur, personne n'est resté derrière. Maman Marie, tu nous prends tous dans tes bras et tu ne laisses personne. Tu n'abandonnes personne. Tu nous montres le chemin de la sainteté. Oh, par toi, par toi, par toi.
Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos pas dans l'eau aujourd'hui. Entre tes mains, voici nos vies. Cherchez. Et nous voulons clôturer ce temps en priant cette prière, hein, en disant cette prière à la Sainte Vierge pour lui dire encore merci. Merci parce qu'elle nous a bénis aujourd'hui. Alléluia. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci d'avoir prié avec nous.
Nous vous disons vraiment merci du fond du cœur. Demeurez bénis dans la présence de Dieu et sous la main de notre Mère, la très sainte Vierge Marie. Et que le Seigneur nous garde jusqu'au mois prochain. Shalom. Shalom, shalom, shalom.